Puisqu'on parle de Robert, on va lui laisser ouvrir le bal. T'es prêt, Robert? Je mets le micro à ton niveau. Oh, il va être bien bas. En dessous la ceinture. Ouais. Pas quand même pas si bas que ça, non. Il est bon, là. Ouais, ça devrait aller. Ça devrait aller? Ouais. Alors, prends ton temps, respire bien. C'est toi qui ouvres le bal, hein. Oui, vu que ça, j'ai une sacrée responsabilité. Donc, tu as des textes qui sont bien, qui tiennent bien la route. Ça, j'en sais rien, c'est toi qui le diras. Enfin, c'est le public qui le dira. Donc, tu parles bien au micro et tout baigne. Bonsoir, déjà. Et alors, pour faire plaisir à Moussa, j'ai préparé deux petits poèmes coquins. J'espère que dans la salle, il n'y aura pas de grincheux. Et quand je vois l'œil de Mariella, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Mes voisines. Parmi mes voisines, il y a Catherine. Ce n'est pas ma copine, simplement ma voisine. Pourtant, certains s'imaginent qu'elle est autre que ma voisine. Il est vrai que Catherine, quand je lorne sa poitrine, une poitrine sublime, sa vue m'illumine. Je m'en lèche les babines, mais je me résigne. Je ne laisse apparaître aucun signe. J'ai aussi pour voisine la jolie Marie-Christine. Elle n'est pas ma copine. Tout le monde se l'imagine, mais simplement ma voisine. Elle possède une telle poitrine qu'à sa vue j'hallucine. Dans ma tête, des images se dessinent. Oh, quelle montée d'adrénaline! Heureusement, je me domine. Si, de ça je vous l'affirme. Oui, elle n'est que ma voisine, tout autant que Catherine. Mais devant de si belles poitrines, des poitrines divines, sous leur fine mousseline, que dans ma poitrine, mon cœur tambourine. Mes réactions ne sont que masculines. Je suis sûr qu'elles s'en amusent les matines. Quel dommage qu'elles ne soient que mes voisines. Confidence d'une chaise. 7h du matin. J'entends ses pas dans l'escalier. Elle affiche son éternel sourire mutin, le plaisir de préparer son café. Dans la cuisine, je suis la chaise où elle s'assoit. J'aime sentir les rondeurs de ses fesses. Jamais leur douceur ne me déçoit. Leur forme remplit d'allégresse. Enfin, lorsqu'elle se lève, je conserve sur mon coussin son parfum. Il prolonge ainsi mes rêves, parfois jusqu'au lendemain. Et le désir de ne jamais la voir se lever, la garder sur moi pour toujours. Mais je sais qu'il ne faut pas que je fantasme, même si ses fesses sont mon unique amour. Manchot, j'enrage, je m'emporte en vain à la pensée qu'un autre pose ses mains sur son arrière-train. Merci. C'est toujours vraiment très coquin. Hein. C'est coquin, coquin, coquin. Hein. C'est gentil. Bon, alors ça va, alors tu peux y aller. Hein. Tu peux y aller, je crois. Il y a de la demande. Hein. Il y a vraiment de la demande. Hein. Tu sais pourquoi je les ai dit, ceux-là? Parce que... Mars. Comment? Pour le 20 mars. Pour le 20 mars. Ah oui, ben, j'en profite. Le 20...